Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un peu spéciale. Hein. Donc cette fois-ci, je vais vous raconter une petite histoire à propos, voilà, de moi, hein, clairement de moi. Alors, vous avez peut-être pu le constater que le Discord, la Terre du Milieu, avait disparu. Hein, disparu dans les tréfonds de Valinor. Hein. Je pense qu'il est parti très très loin et qu'il ne reviendra jamais, malheureusement. Voilà. Donc, pourquoi Discord m'a banni? Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc, je vais vous mettre évidemment le message de pourquoi j'ai été banni. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, mardi de cette semaine-là. Donc j'étais tranquillement sur Discord comme à mon habitude, voilà, j'envoie des petits messages, ensuite je vais sur Twitter, paf paf paf, j'envoie un petit message, et là je reviens sur mon écran et qu'est-ce que je vois? Je vois le menu de connexion de Discord. Je fais mais qu'est-ce que Discord prend le... C'est pas possible, genre ok bon je vais devoir me reconnecter, sauf que j'avais envie d'envoyer un message DP, enfin j'avais envie d'envoyer un message très vite. Donc je suis allé sur mon téléphone, voilà, un magnifique téléphone avec la magnifique coque de Rivendell. Et là, je vois que je dois aussi me connecter à Discord. Bon, je fais, bon, c'est un peu chiant. Du coup, j'essaie de me connecter. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois, votre compte a été suspendu. Je fais, waouh, ok, mon compte a été suspendu. Genre, mon compte, Elrevoyeur, a été suspendu. Donc, je fais, ok, ouais, peut-être, genre, j'ai pas compris sur le coup. Je me disais, ouais, okay, ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Et là, je reçois un mail. Donc, je reçois le fameux mail que vous avez vu. Et en gros, à ce qui paraît, j'aurais vendu illégalement, ou je ne sais pas comment définir ça, mais j'aurais donné, vendu, apporté des cracks illégalement de je ne sais quoi. Alors, moi, je suppose que quelqu'un m'ait report comme quoi je donnais la possibilité de rejouer à BFME, mais ça serait tellement gros. Imaginez que quelqu'un reporte ça, c'est-à-dire qu'un bot serait venu sur mon Discord, aurait vu que j'envoie des liens vers mon site, que sur mon site, je donne la possibilité de rejouer à un jeu. Tout ça gratuitement. Sachant que c'est un abandonware, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens parce que des serveurs, genre, il y en a des beaucoup plus gros. Les serveurs anglais BFME sont beaucoup plus gros que le mien. Donc pourquoi moi, j'ai été victime de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de contacter par mail Discord. Voilà, aucune réponse. À chaque fois, c'est un robot qui m'a répondu. Je vais vous mettre les petits messages. Mais ça me saoule, genre, impossible de contacter un humain chez Discord. Il n'existe aucun humain chez Discord. Je ne sais pas, ils n'ont pas de service après-vente. Hein, c'est horrible. J'ai essayé sur Twitter. Impossible d'avoir une réponse. Enfin, vraiment insupportable. Mais en vrai, vous êtes vraiment une communauté en or parce que du coup, ça s'est fait mardi soir vers 20h. Donc le soir, il y a les gens qui commençaient à dire, ouais, pourquoi tu m'as banni du Discord? Pourquoi tu m'as viré? Il est où le Discord? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, je reçois des messages sur Twitter, je reçois des messages sur YouTube, je reçois des messages sur... Enfin, j'avais un deuxième compte Discord, du coup, je suis allé me connecter le serveur de Frollo. Et là, j'ai vu, il y avait tout le monde dans le channel en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, what the fuck? Et du coup, je leur avais raconté l'histoire et tout, comme je viens de vous le raconter. Et donc hier, donc mercredi, genre l'après-midi, il y a tout le monde, mais genre tout le monde qui s'est remis. Toi, j'ai recréé un serveur parce que je me suis dit, ils vont jamais me le rendre. C'est sûr, ils vont jamais me le rendre. Donc, j'ai recréé un serveur, donc la Terre du Milieu, voilà. Et tout le monde a participé à la reconstruction du serveur et ça, c'était insane. Genre, il y a tout le monde. Genre, il faisait des channels, il y avait Sauron avec les rôles. Enfin, Sauron a énormément carry. Tout le monde a participé, les gens ont envoyé des liens aux autres. Donc, j'ai créé un lien universel, voilà, que je pourrais changer. Directement. Alors le lien voilà sera là, sera dans la description partout. Donc si vous voulez y retourner, voilà, c'est avec ce lien. J'ai changé les liens de toutes mes vidéos YouTube, donc soit plus de 360 vidéos je crois. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Il faut juste que je contacte le gardien de la Terre du Milieu pour qu'il change tous les liens de toutes ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de ces vidéos. Donc il va falloir que je change tous les liens qu'il y a sur la planète Terre, hein, la planète Terre. Donc un peu chiant, hein, cette histoire est un peu relou, mais en tout cas vous êtes une communauté vraiment incroyable parce que genre, en plus, j'ai mis un message sur Twitter. Genre, il y a tout le monde qui a mis un like, tout le monde a retweeté et tout. Enfin, c'est incroyable. Donc, aussi, hein, si vous voulez me suivre sur Twitter, voilà, je poste pas mal d'informations.
Voilà, donc je n'ai pas d'autre chose à dire pour le moment. En tout cas, voilà, hein, je continuerai à répandre BFME, hein, quoi qu'il arrive, même si Discord bah, m'en empêche. Ce qui me saoule un peu, c'est que j'avais un abonnement, enfin, genre je soutenais Discord depuis sa création, que le Discord de la Terre du Milieu, ça faisait 4 ans quasiment qu'il était là, qu'on était arrivé à 3000 membres. Mais même ça, je m'en fiche. D'avoir perdu ce Discord, je m'en fiche. J'ai surtout perdu mon Nitro. Genre, vu que j'étais là au début, bah, je le payais moins cher que si maintenant je dois le repayer. Ça me fait chier de payer pour une plateforme qui, au final, me donne pas le droit de demander pourquoi j'ai été banni. Genre, je ne peux, je n'ai, j'ai demandé et je n'ai pas eu de réponse. Genre, quoi que je dise, genre, que je dise que je veux quelque chose ou que je veux pas quelque chose, ils me répondent la même chose. Donc c'est insupportable, impossible d'avoir un contact humain avec Discord. Donc pour le moment, on va rester. Enfin voilà, je recrée le Discord, ta ta ta. Enfin, on reprend la même chose. Pour vous, ça va rien changer. Hein. C'est juste pour moi le fait que mon hashtag de Discord va changer. Mais à part ça, il y a rien. Et pour vous, il y a rien qui va changer. Hein. Ça va continuer. Hein. Les lives vont continuer. Là, il y a le tournoi de Noël qui va bientôt commencer. Je crois que ça commence ce week-end hein, et ce soir je pense que je vais live et tout. Je vous prépare pas mal de choses, genre la skin de Noël hein, comme l'année dernière, les pépés de Noël, enfin il y a plein de trucs que je vais essayer de mettre en place. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et, par contre si vous avez des contacts avec Discord, si moi je prends, hein, franchement je prends, je suis là. J'apprécie, j'apprécie. Excusez-moi, parce que je mange toujours. Hein. Vous n'êtes pas habitué, vous, sur YouTube, mais je mange tout le temps en live. Du coup, voilà. C'est important de manger, hein. Même en vidéo, je dois le faire. En fait, je me crois en live, mais je suis pas en live en fait. Mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'était pourquoi j'ai été banni de Discord. Hein. Je ne sais toujours pas. Je ne sais pas si quelqu'un m'a report et du coup, j'ai été banni à cause de ça. Si vraiment ce que je fais, c'est mal et du coup, bah, chier à moi, mais bon, j'y peux rien et que je continuerai, même si je suis rebanni, je continuerai parce que bah, moi, c'est mon objectif de vous faire, de créer la communauté de ce jeu. Après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi moi et pas genre les communautés anglaises qui sont beaucoup plus grosses alors que Discord s'en bat les couilles des Français. Enfin, je sais pas. En tout cas, Discord, voilà, je suis un peu déçu par eux. Mais j'apprécie toujours leur service, c'est juste qu'ils ont un système de bots qui ne check pas et impossible d'avoir un contact humain et ça c'est horrible. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt et voilà, abonnez-vous hein, et on rejoint le Discord. Hein. On est quasiment 100, je veux genre ce week-end on arrive à, je sais pas, je ne sais pas, mais dites des noms dans la description, mais s'il y a tout le monde qui rejoint d'un coup, en vrai ça peut aller vite. Voilà, donc moi je vous dis ça, je le pose ça là, je le mets dans un coin, mais en tout cas. À bientôt. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas, nous jouons évidemment au jeu Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 1, le 2, le 3, enfin l'avènement du roi sorcier. On joue à des mods tels que Age of the Ring, des mods de dinosaures tels que Dagor. Enfin, moi j'y joue pas hein, personnellement, mais voilà. Des patchs faits par la communauté. Mirak qui fait un patch sur la 1.08 de BFM1. Il y a des tournois qui sont organisés. Enfin, c'est la folie, c'est la folie. C'est pour ça, pourquoi moi je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis au revoir, à bientôt. Hii.